make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Mais cher Sherlock Holmes, pourquoi Blob est-il quasiment immortel? Élémentaire, mon cher Watson. Blob a un cycle de vie particulier qui lui permet de s'adapter à des conditions défavorables. Mais c'est quoi son cycle de vie, Sherlock? Il ressemble à cela. Oui, mais je ne comprends toujours pas, Sherlock. Ok, je t'explique. Par exemple, s'il a un manque de nourriture, d'eau ou une exposition de ultraviolet, il va se transformer sous forme de sclérote pour hiberner pendant des années. Oui, mais cela n'explique pas tout, Sherlock. Non, en effet, Watson. Pour réanimer Blob, une goutte d'eau suffit, et en présence de nourriture, il se transforme alors en plasmode. Comme ici. Et tu sais, Watson, Blob dévore alors sans limite la nourriture autour de lui, et peut atteindre une taille jusqu'à 10 mètres carrés et plus. Donc ici, voici son plasmode. Sherlock, quelle est la nourriture vivante préférée de Blob? Le professeur Tournesol va t'expliquer. Pour les expériences, on part de Blob sous sa forme de plasmode, comme ici. Ensuite, on lui donne plusieurs fois de nourriture vivante, soit sous forme de bouillon, soit sous forme de gélose. Ensuite, on observe à l'aide d'une caméra la migration de Blob vers sa nourriture préférée. Il a un gros appétit, Blob? Oui, un appétit sans limite. Regarde. On lui donne quoi à manger à Blob? De la levure de boulanger. Par exemple, sous forme de gélose ou vu au microscope. Et quoi d'autre? Des algues microscopiques comme les euglènes qu'on voit bouger ici. Il paraît qu'il adore manger les moisissures. Oui, on va voir ça avec Aspergillus et le Penicillium. Et c'est tout? Non, on lui donne aussi à manger des bactéries comme les Escherichia coli qu'on peut voir se développer ici. Et pour finir, elle aura à manger de la boue activée qui provient des stations d'épuration. La boue activée est composée d'un mélange de micro-organismes comme les protozoaires et les bactéries. Mais on fait comment pour le nourrir? On coule des géloses à la guerre dans de grandes boîtes de pétri, puis on enlève stérilement des rondelles de gélose pour former des puits. En parallèle, on fabrique de la nourriture vivante, soit sous forme de bouillon, soit sous forme de gélose. Donc par exemple le foin de ravoine, gélose avec des moisissures, avec des levures, avec de la boue activée, avec des bactéries et avec des algues microscopiques. On dépose la nourriture dans les trous de la gélose à la gare. Donc là le blob et les nourritures autour. Et on obtient quoi comme résultat? Regarde, on obtient ça. Et plus précisément, on peut voir sur les boîtes le blob en jaune, le témoin négatif en bleu, Aspergillus niger en vert, la boue activée en noir et E. coli en rouge. Là, on le voit se déplacer. Donc, pour l'expérience 2, on a placé 3 rondelles de blob alignées au centre de la gélose. D'un côté, on a déposé 2 puits de moisissure, donc ici. Et de l'autre côté de blob, on a déposé 2 puits avec des nourritures différentes. Là, tu peux voir un dépôt d'algues sous forme de bouillon. Donc on voit qu'il est mis dans le puits. Waving your banner all over the place.